Salut, je suis Stéphane Poutine et dans cette vidéo, nous allons parler du choix du site pour l'activité piscicole. Comme je l'ai dit dans la récente vidéo, lorsqu'on a un projet de pisciculture qu'on aimerait implémenter, une des équations qu'on a à résoudre après même l'acquisition des terres reste à choisir la portion de terre sur laquelle sera installée l'activité piscicole. Surtout lorsqu'on voudrait produire en étant naturel. Et c'est la raison donc de cette vidéo qui vient à la suite de la précédente. Pour parler, n'est-ce pas, de cette thématique, je suis accompagné de Franck Fleugueux, qui est ingénieur en sciences halieutiques, responsable de production à Aquapol SAS. Vous le connaissez déjà tous. Vous avez eu à le voir, à l'écouter, à juger sa pertinence dans les récentes vidéos. Avant d'avancer, je te souhaite la bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous parlons d'aquaculture, d'entrepreneuriat, d'agro-business. Nous allons même à la rencontre des exploitants d'agriculture, d'élevage, qualifiés, expérimentés, chevronnés même dans le domaine, afin de produire des vidéos lourdes et chargées, des vidéos qui vous permettront de vous bâtir un bon mindset d'agro-entrepreneur. Alors, si vous êtes intéressé par ces différentes thématiques, si vous aussi, vous voulez nous accompagner dans cette aventure, je vous invite déjà à vous abonner, à activer la cloche de notification pour être informé de chacune de nos parutions de vidéos sur la chaîne, mais aussi à prendre un bloc-notes et un stylo parce que la suite sera. Alors aujourd'hui nous parlons, n'est-ce pas, du choix du site, à savoir le choix de la portion de terre sur laquelle sera installée notre activité piscicole. Alors, Franck, bonjour. Bonjour, c'est quoi? Alors, comme on s'est dit tout à l'heure là, comment est-ce qu'on fait pour quelqu'un qui voudrait s'installer en étant naturel? On suppose que la personne n'a pas de site, ou bien la personne a un site comme celui-ci. Comment est-ce que la personne fait pour savoir qui installe mon étang ici. Parce que, comme je te le disais, actuellement nous sommes sur un site qu'on vient d'acquérir et nous sommes en train de creuser pour ce moment nos étangs. Les étangs qui vont déjà acquérir ici bientôt, les espèces à savoir le kanga surtout, la carpe, déjà parce que nous avons remarqué que de plus en plus, lorsqu'on parle de pisciculture, les gens ont tendance à penser aux cellules. Pourtant, il y a ces espèces-là aussi qui sont très prises au niveau du marché et qui ne demandent pas beaucoup de coûts en termes de production comme les cellules. Donc, comment faire donc pour un novice? Comment savoir que nous faisons du temps ici, etc. Très bien. Salut, moi c'est Franck, je suis ingénieur à Liège et responsable de production dans l'entreprise à Papos SAS. Bien nombre de personnes se posent plusieurs questions, à savoir comment faire quand on a un terrain pour détecter que ici ce site est viable pour mon activité piscicole. Alors, pour le choix d'un site, on a eu plusieurs vidéos dessus, mais aujourd'hui on va s'appesantir sur les types de sols qui vont vous orienter sur le choix ou la position à choisir pour installer un étang piscicole. Alors, généralement, quand on est sur un site, ma foi, celui sur lequel on est aujourd'hui est un peu corrompu parce qu'on a eu des pluies. Vous allez remarquer, c'est un peu inondé. Mais quand on est sur un site, on passe par deux paramètres. Hein? Le test de la terre, on appelle ça le test du pain de terre. Ça veut dire on prend un peu de terre qu'on va. On va enrober comme si on faisait un beignet et là on le plaque contre une surface plane. Tu peux zoomer là. Voilà. Quand on le plaque sur une surface plane, vous allez remarquer que la terre, la mode de terre ne s'est pas disloquée. Elle est restée compacte mais juste en s'éparpillant. Ça c'est un des facteurs sur lesquels on peut s'appuyer pour décider de choisir notre terre. Ça veut dire le bout de terre, la terre qu'on a ici, elle est sableuse, limoneuse et argileuse. Elle a tous les paramètres qu'il faut pour choisir pour installer un site piscicole ou encore un étang. Deuxième exercice qu'il faudrait faire en amont, toujours avant de s'installer son site piscicole, on procède à la perméabilité du sol. C'est-à-dire, le test de la perméabilité du sol permet de décider ou de définir quelle est la quantité d'eau qu'un sol peut retenir au bout d'un temps. Alors, comment cet exercice se fait?
on vient la veille ou bien en une journée, on va creuser, on va faire une carotte de terre, c'est-à-dire on va creuser une profondeur, une superficie d'un mètre, un mètre carré, et on va entrer à peu près à un mètre aussi. Alors en soirée, on va remplir le trou avec de l'eau, le recouvrir le trou avec tout ce qu'on peut trouver, les feuilles de palme et tout, pour que le soleil ne puisse pas trop avoir d'impact sur cette portion. Le lendemain, on revient, on ouvre la portion, comme vous allez remarquer ici. Là, on a ouvert. Vous ouvrez, vous constatez à quel niveau l'eau a pu descendre. Si l'eau est descendue, vous avez constaté au premier essai que l'eau est trop descendue, n'ayez crainte. Ça veut dire tout simplement que le site était aride, c'est-à-dire le bas-fond n'avait aucune goutte d'eau, il n'y avait pas d'eau. Donc, toute la première eau que vous avez versée, il y a eu ce qu'on appelle la saturation, c'est-à-dire qu'il fallait d'abord remplir les couches vides qu'il y avait en bas. Maintenant, deuxième journée, vous revenez, vous allez reverser de l'eau jusqu'à hauteur, c'est-à-dire remplir à hauteur, ça veut dire qu'on va remplir et vous recouvrez une fois de plus. Maintenant, au troisième jour, quand vous revenez, vous allez voir si le niveau d'eau est encore très bas, alors le site n'est pas vraiment perméable, est très perméable, c'est-à-dire très poreux. Mais si l'eau est restée à un niveau assez haut, alors vous pouvez dire, ça c'est le site idéal pour installer mon business de pisciculture. Et alors on fait appel aux experts de la chose piscicole pour finaliser, implanter et creuser les terres proprement dit. Pour plus d'inquiétude, pour plus de compréhension sur les propos qu'on a élaborés et abordés tout à l'heure, laissez une question ou contactez-nous via le numéro WhatsApp qui est laissé dans la barre de description. Alors, merci Franck. Vous savez, un grand penseur a dit un jour, la théorie sans pratique est vide de sens, tandis que la pratique sans théorie est aveugle. Et l'idéal serait, n'est-ce pas, d'associer la pratique à la théorie. Selon moi, c'est la raison pour laquelle justement nous organisons ici même du 10 au 11 décembre, c'est le vendredi 10, samedi 11 décembre, deux jours de formation intense en pisciculture. Vous avez eu à voir les vidéos sur YouTube, vous avez été nombreux à me contacter en inbox, à savoir, bon, maintenant nous avons vu, c'est la théorie. Maintenant, comment toucher dans la chose du doigt, comment faire, c'est... Nous avons pris vos préoccupations en compte et nous avons décidé d'organiser ici même une formation de deux jours. Pratique. Ici même sur le site. Donc ici, nous verrons la production en hors sol, la production en état naturel, le choix des espèces, la commercialisation, la transformation, etc. Le choix du site, tout ce qui touche tout ça. Et ajoutant à ça le réseautage, n'est-ce pas, que vous aurez. Donc, si vous êtes intéressé par cette formation, écrivez-nous au petit numéro WhatsApp afin qu'on puisse vous enregistrer, que vous puissiez participer à la formation. Alors, parvenu, n'est-ce pas, au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle t'a été utile et que tu as appris quelque chose. Je t'invite, n'est-ce pas, à la partager à un ami, à un collègue, à un proche. Car là, on a souvent l'habitude de dire que la mention est grande, mais il y a très peu d'ouvriers. De façon terre à terre, ceux qui me suivent savent que moi, j'ai ma force à moi de les dire. Vous savez, une semaine sera attachée à un bâton de pierre. Donc, c'est ensemble qu'on est fort, c'est le lien qui fait la force. Merci et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.